Et salut tout le monde, c'est Lily, on se retrouve pour la suite de Kingdom Hearts, le jeu qui fait rager, le jeu qui me fait détester cette licence. Je tourne à la suite de l'épisode Rage, ça tombe bien, comme ça, encore plus de rage, hein, vu que j'aurais pas eu le temps de me calmer entre deux. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et puis, ben, on va repartir, il faut bien. Maintenant, c'est ce qui plaît, en plus, c'est parfait tout ça, on gagne du temps. Et au moins, je suis full vie pour la faire. Parce que si vous vous souvenez à l'épisode précédent, on n'était pas du tout full vie. Du coup, si je perds, j'ai aucune excuse en fait. J'aurais dû me taire, merde. J'ai un cheveu qui me gêne. Non, meurs. Meurs. Je t'aime bien, mais je t'aime beaucoup moins d'un coup dans ce combat. Les soins, on va les garder pour plus tard. Mais je parle plus, je suis concentrée. Concentrée pour ma défaite. C'est bien, coup de grâce. Pour l'instant, même dans les derniers trucs qu'on débloque, je trouve que le coup de grâce, non pas ça, reste plus efficace encore. Oh la manu... Mon omni-slash. J'ai failli être vulgaire encore. Mais pourquoi tant de haine? Non mais elle me prend dans un coin en même temps, qu'est-ce que je peux faire à partir de là? Je vous vois venir, bande de coquinous. Elle irait pas avec Sora. Oui, attaque dans le vide Sora, c'est bien. Oh mais non! Mais non! Non mais t'es sérieuse là? Elle est où? Oh non! Mais non! Lâche-moi! Lâche-moi! Mais lâche-moi! Mais c'est quoi ce... C'est quoi cet enchaînement? tout va bien. Je vous ai dit que c'était pas une bonne idée de le tourner à la suite, mais j'ai pas le choix dans mon planning, donc... C'est encore pire quand je commence full vie, en fait. Je dis, oh, il y a toute sa vie, du coup je l'épargne pas. D'habitude, elle m'épargne, en fait. Mais non, mais sérieusement, mais je peux rien faire! Mais je peux absolument rien faire, là! Mais au secours! Vas-y, mais... Ok, ok. C'est pas grave si je te redonne un peu de vie, mais... Ok. Ok, limite on s'en est beaucoup mieux sorti la première fois. Non mais c'est quoi ce bordel? Mais j'en reviens pas, quoi. Ah, mais c'est pas vrai. Lulu, tu vas la kiffer encore plus, hein. Parce que là, niveau psychopathe... J'ai envie de dire... Ça va, quoi. Elle m'enchaîne, mais comme jamais. Faut vraiment pas rester près des bords du jeu avec elle. Faut rester au milieu. Ouais, enfin, même au milieu, si elle t'enchaîne, elle t'enchaîne, quoi. Oh là 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 là. Finalement, Riku, il était peut-être pas si violent. Non, je me plante de côté. Mais elle m'annule mes coups de grâce. Mais comment je peux faire à partir de là? Oh là là. Faut vraiment pas lui laisser le temps d'attaquer, mais c'est pas forcément évident. Surtout quand on joue aussi bien que moi. L'Omni Slash, mais non! Mais non, mais elle est sérieuse! Oh, puis si je vise à côté en plus. Laissez.
Heureusement que j'avais dit qu'elle serait peut-être moins terrible que Riku. Hein. Qu'est-ce que ça aurait été sinon? Il y en a beaucoup des boss encore comme ça à la suite. Parce que je suis pas sûre de pouvoir tenir la cadence là, surtout niveau craquage mental. Non, on va pas se soigner maintenant. Peut-être que si. Rien que le nom d'attaque, hein, des arcs à... Ouf. Voilà, vous avez compris. Oh non, je fais 15 points plus du coup. J'ai besoin de beaucoup plus que ça avec elle. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ah, je préfère attaquer dans le vide et loin d'elle. Allez! Je veux pas te jeter dedans. Je compte juste sur ça en fait. J'ai besoin que tu fasses ça pour gagner. Ah, je pensais être dessus. Ce jeu est horrible. Ah mais non. Oh là là, je sais même plus quoi faire. L'électricité, ça sert à rien. C'est vrai que j'aurais pu l'enlever et mettre une autre magie à la place aussi. J'y ai pas pensé. Je pensais que j'aurais pas besoin de ça. Et j'ai le ventre qui gargouille encore. Je sais pas si ça s'entend à chaque fois parce que au final, il y a personne qui s'en plaint, donc ça va. Ah non, j'ai mis un éclair. Bon, c'est pas grave, elle me le break de toute façon. Comme souvent. Non, pas un élixir. T'en as pas besoin, toi. Moi, oui. Toi, non. Comme si t'avais besoin de ça, franchement. Évidemment, celui-là, elle le break pas. Oh, ça va, il est pas passé. J'espérais bien qu'il me soigne. Non, 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 lâche-moi. Laisse-moi me recharger, mais non, m'enchaîne pas. J'ai été gentille cette année. Oh là là. Ah, ok, je commence vraiment à être en misère niveau carte en plus. Non, mais elle se barre. Non, 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 non. Vous sentez qu'on va faire un boss par épisode, mais genre, genre tout l'épisode sur un seul. Mais tue-moi tout de suite, ça sert à rien de faire durer le suspense. On sait tous que je vais mourir. Mais. À partir de là, vous voulez que je fasse quoi? Priez. En plus, ça me finit vraiment avec un coup minable du genre, bon allez, une petite... petite pichenette, comme ça. On va y aller comme ça. Non, du coup, c'est vrai. Alors... Tout va bien. Tout va parfaitement bien. En fait, je vais enlever ça, mais je vais mettre des soins à la place. Des soins ou de la magie? Non, de la magie. J'aurais peut-être pu en mettre un autre grand du coup. C'est vrai, faut d'abord faire ça et après faire ça. Je vais y arriver.
Ah là là, je vous jure. Ce jeu, mais ce jeu. Mais ce jeu. Ou alors je mets la fée clochette. Redonne des HP pendant un temps limité. Le truc complètement désespéré. Et si elle me carte break, comme ça je suis contente. Bon. De toute façon, je peux pas vraiment améliorer mon deck plus que ça après. C'est ça le souci. Allez, la laisse pas attaquer. Spam. Spam. Ouais, mais spam et vise bien. Non, c'est l'autre côté. Je vais mettre la manette plus loin pour pas qu'on l'entende. Des fois, il arrive à aller la chercher super loin, puis quand elle est tout près, il y va pas, quoi. Non, non, non. Vous sentez comme je suis énervée là. Non mais hé, comment ça elle fait ça ninja et tout, elle se téléporte là. Ça va? Tranquille. Je l'ai même pas vu venir. On va se soigner. J'aime pas quand elle s'en va comme ça, que je sais pas où elle est. Non mais pas ça. Non mais le mec quoi, je rêve, il lui redonne de la vie. Non mais ça va donner de la vie à l'ennemi comme ça. Sent bien Donald des fois. C'est pas grave si on tape pas dessus. Oh non, t'avais pas le droit de le break. Celui-là, il était bien placé pour une fois. C'est pour ça qu'elle a pas bougé. Il était tellement bien placé. Elle savait qu'elle allait le break. Non mais laisse-moi me recharger quoi. M'enchaîne pas comme ça. Faut laisser les gens attaquer toujours. Faut pas les enchaîner, c'est pas bien. Non, c'est pas ce que je fais depuis le début, c'est pas vrai. Voilà, c'est maintenant qu'on décède. Il lui reste pas beaucoup de vie. C'est maintenant qu'on décède, il lui reste un HP. Non, pitié, me refaites pas ça. Pas deux épisodes à la suite, pitié. Soyez indulgent. Paix à mon âme. Reviens. Jette-toi sur ma Keyblade. S'il te plaît. Non, 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 non. Non, 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 non. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai spammé bêtement là parce que franchement je le sentais pas. Ah, vous vous rendez compte, on n'aura pas passé l'épisode dessus. Des tours, parce que des cartes j'en ai beaucoup. Arcane, je crois que je l'avais noté sur un papier pour l'essayer celle-là. Martèlement de l'adversaire. Non, je refuse de perdre face à une bande de minables. Je me dissous, non, c'est pas possible. Je ne le permettrai pas. J'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie.
Oh, tu dois être Naminé. Nous sommes les amis de Sora, je suis... Dingo, je sais, et voici Donald. Quoi? Comment tu sais qui je suis? Félicitations, Sora, tu as enfin retrouvé ton ami. Enfin, trouvé plutôt. Par où commencer? Naminé, je sais que ce n'est pas facile, mais peux-tu nous dire ce qui se passe? Bien sûr, c'est ma faute après tout. Il pourrait mettre une musique quand même, je me sens seule. Bon, pas de musique. J'ai pris les personnes et les émotions dans le cœur de Sora. Et peu à peu, je les ai remplacées par de faux souvenirs que j'avais créés. Donc, la promesse que Sora avait faite de te protéger. C'était un mensonge. Sora ne m'a jamais rien promis. Ah, quand même! Ma présence sur l'île était aussi un mensonge. C'est notre première rencontre, je n'ai jamais été l'ami de Sora. Je n'arrive pas à le croire. Je suis désolée. Dans tes vrais souvenirs, je n'ai jamais été là. Alors c'est à cause de toi si nous avons, nous aussi, perdu nos souvenirs? Pourra-t-on les récupérer? Pas tout de suite. Si on va au 13e niveau, je pourrais tout réparer, mais Marluxia... Oh non. C'est Marluxia qui t'a forcé à modifier nos souvenirs. Il disait qu'il me retiendrait prisonnière pour toujours si je n'obéissais pas. J'étais seule depuis si longtemps. C'est la solitude qui t'a forcé à accepter. Je suis désolée. C'est inutile, ne pleure pas. Oh non, mais non, elle se met à chialer en plus. Je sais, je n'ai pas le droit. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Écoute, je ne suis pas ravie que tu aies joué avec mes souvenirs. Mais je ne peux pas t'en vouloir. Ces souvenirs que tu as créés, je sais qu'ils sont faux, mais je les aime bien. Comme ma promesse. J'ai promis que je te protégerai et que je ne te ferai pas pleurer. Même avec des faux souvenirs, t'arrives à échouer, Sora. Bravo, félicitations. Alors si tu pleures, je me sens coupable. C'est comme si je t'avais trahi. Je t'en prie, ne pleure pas, ne t'excuse pas. Jusqu'à ce que je retrouve mes souvenirs, souris, sois heureuse. Ce sera plus facile pour moi. Quel égoïste. Sora. Dago, tu ne trouves pas qu'il en fait un peu trop? Un tout petit peu. Je ne sais pas, Sora est toujours comme ça quand il y a des filles. Ok. Taisez-vous, vous deux. Je croyais que vous aviez perdu la mémoire. Les amis, n'oublie pas ce genre de choses. Ça, c'est clair. Ça sent pas du tout le vécu. Laissez-moi un peu tranquille. Voilà, c'est la Naminé dont je me souviens. J'aimais beaucoup quand tu souriais dans mes faux souvenirs. Mais ce que je ressens maintenant, ce n'est pas un mensonge. C'est bien réel. Tu es gentil, Sora. Et naïf. On a encore du pain sur la planche. D'ailleurs, en parlant de Sora qui essaye de faire sourire et tout, vous vous souvenez dans KH1, hein, le truc hors sujet, hein, dans KH1, quand on lui dit que le vaisseau démarre pas, sauf si Sora sourit et qu'il nous fait un sourire débile. Alors j'ai lu le premier tome du manga de KH1 il y a pas longtemps, et la tête qu'il a quand il fait le sourire, mais elle est juste épique, quoi. Faudrait que je vous mette ça sur Twitter. Franchement, allez voir dans la semaine ou quoi, je mettrai la photo sur Twitter, promis. Oui, allons récupérer nos souvenirs. Marluxia est là où tu devrais rester ici, Naminé. Dingo a raison. Peux-tu veiller sur Riku? Sinon, elle peut pas modifier les souvenirs de Marluxia, genre. Faire genre il est notre copain et tout. Puis comme ça, ce sera plus facile si jamais on doit l'affronter après. On peut pas négocier comme ça. Nous reviendrons vous chercher dès que ce sera fini. D'accord. Mais vous êtes pas d'accord? Franchement, ce serait plus simple. Sois prudent, Sora. Non, parce que du coup, ça sent quand l'affrontement, je trouve. Ça me plaît pas beaucoup. Tout ira bien, promis. Fais pas des promesses comme ça. Oh, souvenir perdu. J'aimerais aider Riku. Je voulais pas te parler, je voulais taper Riku. C'est ma faute s'il souffre. Sinon, on peut genre revenir en arrière pour save. Non, parce que je sais pas ce qui m'attend en fait. C'est pas que j'ai pas confiance, mais. Si, je veux save.
On est niveau 68, alors quelqu'un voulait faire un screen quand on serait niveau 69, mais c'est pas encore maintenant. Et que se passera-t-il si on doit affronter Axel et Marlux? Je sais pas. T'es gentil, toi. Quoi, tu ne veux pas qu'on le dise? Je suis pas gentil, je suis naïf. Ah, je pouvais save ici. Bah, c'est pas grave, on va re-save ici. Non, mais tu vas me répéter la même chose? Et du coup, toi aussi? Oui. On a combien de temps de vidéo? Bon, on va avancer quand même. On va pas faire une vidéo de 20 minutes. En fait, si. J'aime pas la musique. Vous sentez la musique de fin de jeu quand même, là? Je trouve. Qui est-ce? Qui m'a donné ça? Ah merde, c'est vrai, on a eu tant de promesses et j'ai pas changé mon deck. Ça ne sert à rien. Tu ne te souviens pas? Je me souviens de Naminé, c'est tout. Vous vous souvenez d'autre chose? Il a de la chance, il a oublié le combat contre Riku. J'aimerais bien moi aussi l'oublier. Non, de rien. Dingo et moi, on cherchait aussi quelqu'un d'important, je crois. Mais je ne me souviens pas. Entre nous, j'ai un tout petit peu peur. Non, moi non, ça va. Alors faisons-nous une promesse encore? Hein? Ce que tu as dit tout à l'heure m'a fait réfléchir. Si on s'accroche à notre promesse, on pensera moins aux choses qui font peur. Ouais, ça dépend de la promesse. Hein. Ça deviendra une forme de courage. Bonne idée. Alors qu'est-ce qu'on se promet? De ne pas mourir. C'est facile. Quoi qu'il arrive, même si on est séparés ou si on s'oublie. T'approche pas de moi comme ça. Fais peur. Un pour tous, tous pour un. C'est notre promesse. Oh. Ah ok, c'est pas maintenant, ça va. Du coup... Je sais plus comment on fait Trinité, faudra que je regarde. Mais les nouvelles cartes qu'on a eues, je suis curieuse maintenant. Les cartes des tours sont disponibles en recharge. Ça peut être cool. Bon, vous savez mon souci d'à chaque fois de ne pas avoir de coup de grâce une fois que je recharge mon deck? Bah, j'aurais plus le souci du coup avec ça. Ça prend... 80? Rien que ça? Augmente la vitesse de déplacement pour enchaîner l'ennemi, hein. Résurrection automatique lorsque les HP sont à 0. Sérieux? Donc il va falloir, hors vidéo, je vais pas faire ça maintenant, que je m'organise pour placer Riku, pour pouvoir faire mes coups de grâce à chaque fois, si je comprends bien ça que ça sert. Et il faudra que je place Vexen. Ça peut être good tout ça. Surtout que de toute façon... non, tu m'auras pas. De toute façon, je pense pas qu'on finira le jeu dans cet épisode, ça m'étonnerait en 10 minutes. En plus, il me manquera peut-être des cartes. Le truc qui m'est jamais arrivé, hein, jamais. Jamais. Ça va, il n'y a pas trop de portes là, c'est pas difficile, non? Oh, cette musique. Laisse-moi fuir. Oh, mais je rêve, bon. Si vous insistez. Allez. Mais je pense qu'on est vraiment dans le dernier monde, hein, vu la musique. Mais n'empêche, on se balade dans le manoir en fait. Plutôt que d'être. Eh, c'est des nouveaux. Plutôt que d'être sur un palier, on est carrément en train de faire la pièce du manoir. Allez. Tant qu'à faire, on prend l'XP quand même. Hein. C'est pas ici, c'est là. Alors, numéro 2. Un local trompeur. Du
coup, il y a des coffres utiles et des coffres pas utiles. Voilà. J'y étais presque. C'est pas grave, on va se les faire. Ce qui est bien avec le coup de grâce, c'est que, comme vous voyez, ça va vite pour les petits mobs comme ça. Du coup, pour farm, c'était bien aussi. Allez. Bon, je sais pas si on prendra encore un niveau. Moi sûrement, parce qu'hors vidéo, je vais essayer de m'avoir des PC supplémentaires, histoire de pouvoir rajouter Riku et Vexen, je crois. Dans mon deck, sans trop changer non plus mes attaques. Parce que j'imagine qu'on va affronter Axel aussi, d'après les dires de Donald. Du coup, ça peut être bien de garder par exemple Glacier, vu que Axel c'est le feu. J'imaginais avoir quelque chose d'intéressant dans un coffre quand même. Des locales trompeurs, d'accord, mais. Ça a l'air tellement facile quand c'est juste des mobs et pas des boss à la suite. On dirait que je suis tellement puissante là. Au niveau des cartes, je pense en avoir suffisamment. Dans le sens où, pour recharger, maintenant c'est très long. Je crois qu'il y a des cartes malus aussi où la recharge est plus rapide. Mais vous avez vu déjà avec Sun et Riku ce que ça prend comme PC. Si je peux éviter. On XP assez vite ici. Tout ça pour une chaîne royale, ça valait le coup. 3. Bon, zone protégée, pourquoi pas. Petite scène. C'est bien, reste là-bas, Marluxia. Ah. Je veux pas. Bon, d'accord. Une fois que je voulais l'éviter, je pouvais même pas. Vous vous rendez compte quand même, cette arnaque. J'ai un peu mélangé mes cartes. Mais c'est que ça résiste ce petit truc quand même. Oh, j'ai eu l'impression que ça laguait un petit peu là. Même le jeu en a marre. Il y a trop de petits meubles, je ne supporte pas. Il va y avoir que ça ici en fait. Soyons fous. Et en plus on finit avec ça. C'est magnifique. Ouais, c'est quoi cette arnaque? J'étais censée être protégée dans ces lieux. Il y a quoi là-dedans? Laissez-moi vivre. Non, laisse-moi vivre. Barre-toi, barre-toi. 4. Ah bah voilà, lieu vaillant. On a quoi en 4? Brutal, non merci, zone protégée. Hein. Mais oui, maintenant que je sais me servir des cartes, vous avez pas de chance parce que... Du coup, je choisis de prendre un local sécurisant qui nous donne une save dans la salle qui, bah, dans laquelle on va. Parce que bah, ça va être la fin de l'épisode et je sais pas ce qui nous attend, donc j'avoue, je préfère... Gardez ça pour le prochain épisode et bah, changer un peu mon deck, tout ça. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous retrouve dans le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde, des bisous.